Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le FIRCA a posé les bases de la réflexion sur les droits des femmes du secteur agricole. Une problématique majeure sur le genre qui a suscité un grand intérêt. Voici notre reportage. Comment le FIRCA pourrait-il se positionner pour un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable? Voici la principale question qui a servi de fil conducteur à la conférence organisée par le FIRCA dans le cadre de la 45e édition de la Journée internationale des droits de la femme autour du thème « Genre et équité pour un développement durable » du FIRCA, tout un programme. Pour la deuxième année consécutive, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA n'a pas manqué à l'occasion. Le mardi 8 mars 2022, un restaurant de la place a accueilli le personnel, surtout féminin, que conduisait le comité de direction avec à sa tête le directeur exécutif, M. Hatsin Yao Léon. Il s'est agi de marquer une pause pour réfléchir sur la question des droits des femmes du secteur agricole. Pour ce dirigeant, l'institution est en phase avec les objectifs de développement durable concernant l'approche genre. Au niveau des ressources humaines en activité au sein de notre institution, sur un total de 116 agents au 31 décembre 2021, 44, soit 38% sont des femmes. Aussi, voudrais-je à ce stade de mon propos vous exprimer, vaillante femme, toute ma reconnaissance et vous féliciter pour votre abnégation et pour la qualité du travail que vous réalisez. La direction exécutive est fière de vous et c'est donc à juste titre qu'il nous tient à cœur de célébrer avec vous cette journée qui vous est dédiée. Cette cérémonie témoigne de l'engagement de la direction exécutive à accompagner les femmes du FIRCA dans la consolidation de leurs droits, ainsi qu'à l'institutionnalisation de la célébration de la Journée internationale de la femme au sein de notre institution tous les 8 mars. Pour la conférencière, cette réflexion sur la femme et les questions du genre ne doit pas exclure les hommes. Madame Zamblé-Georgette a plaidé pour que le FIRCA porte les lunettes « genre » afin de mettre en lumière les disparités au sein de l'institution et d'améliorer les conditions des acteurs et actrices discriminés par la formulation, la mise en œuvre et le suivi, évaluation des projets. Il ne s'agit pas de donner plus de pouvoir aux femmes pour dominer les hommes, mais elle vise à construire un nouveau partenariat entre femmes et hommes qui respecte justement la différence et qui assure la participation de façon équitable dans tous les domaines. Alors, concernant la prise en compte du genre dans l'agriculture, il y a le système d'information mondial de la FAO sur l'eau et l'agriculture qui fait savoir que promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et autonomiser les femmes, c'est fondamental pour le développement durable de l'agriculture. Travailler dans une perspective genre implique d'aborder la question des inégalités entre les femmes et les hommes, de les reconnaître et de chercher à les réduire à travers la mise en œuvre d'actions stratégique en répondant aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. Dans cette perspective, l'experte en genre a fait des propositions au FIRCA et félicité le FIRCA pour les efforts déjà déployés en vue de la prise en compte du genre tant au sein de l'institution que dans le milieu rural. Nous parlons aujourd'hui de droit, c'est la journée pour les droits des femmes. C'est un droit, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une option, c'est un droit. Il y a deux principes fondamentaux qui sont à la base du concept genre, c'est l'égalité et l'équité. L'égalité de genre, c'est le fait de fournir aux hommes et aux femmes les mêmes droits, les mêmes opportunités, les mêmes ressources dans tous les domaines. Mais elle est loin d'être acquise dans les faits. Alors, il y a la nécessité, souvent, de mettre en œuvre des démarches d'équité. Alors donc, l'équité, c'est le fait d'avoir ce traitement différencié entre femmes et hommes pour corriger les inégalités de départ. Mais c'est pour atteindre l'égalité. Et il est heureux que le FIRCA parle de financement innovant. Parce que ne pas innover conduirait à ne plus s'adapter à l'évolution de son environnement
et donc à ne plus réagir efficacement. C'est une posture avant-gardiste que j'apprécie pour pouvoir rompre avec les pratiques classiques dans la façon d'appuyer les filières agricoles et atteindre leurs objectifs de développement. Cela implique que le FIRCA lui-même soit une institution apprenante et innovante pour devenir incontournable. Les propositions de Mme Zamblé ont été bien accueillies par les responsables du FIRCA qui ont renchéri les arguments de la conférencière. Toutefois, ils ont recommandé de ne pas ignorer les spécificités des acteurs lors de la mise en œuvre sur le terrain. C'est qu'au niveau du FIRCA, nous travaillons sur une cible qui est une cible rurale. Avec ses cultures, ses us et beaucoup d'appréhension par rapport au rôle de la femme. Donc nous sommes devant un dilemme. Est-ce que nous venons pour faire avancer les choses sur le développement du point de vue technique, du point de vue économique, ou est-ce qu'on intègre cet aspect social? En intégrant l'aspect social, de dire on va autonomiser les femmes, il y a beaucoup de contraintes derrière. Ça peut même empêcher un projet de réussir parce que dans certaines zones, effectivement, quand on a mis les femmes devant, tout s'est arrêté parce que les maris ont fait un travail de fond à l'arrière et les femmes ont soit désisté ou démissionné. Je pense aussi qu'il faut peut-être initier des débats entre collègues parce que malheureusement, il y a encore des misogynes. Après ces propositions, Mme Aka, chef de cellule genre au sein du service genre et environnement, a livré la stratégie du FIRCA sur les questions d'égalité et d'équité. Cette stratégie se fonde sur trois piliers, à savoir outiller les femmes du FIRCA par le renforcement des capacités, par la formation de mise à niveau et par leur accompagnement dans la vie professionnelle. Heureux de l'engouement suscité par cette deuxième rencontre à thème, après celle de l'édition 2021, le directeur exécutif a annoncé son institutionnalisation. Mesdames, la direction exécutive s'engage à continuer à prêter une oreille attentive aux propositions de la cellule genre, ainsi qu'à vos préoccupations. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour soutenir toute action de promotion et toutes les opportunités d'amélioration de vos droits en vue de votre plein épanouissement au sein du FIRCA. Je ne saurais terminer sans vous exhorter à maintenir le cap de l'excellence et au plein exercice de votre leadership, non sans une certaine assertivité, afin de saisir les opportunités qui s'offriront à vous et de propulser notre institution commune au-delà de nos espérances. Un repas copieux, des jeux couronnés par des cadeaux au personnel présent, ainsi que des chants et danses ont clos ce moment de partage à l'initiative du comité d'organisation piloté par Mme Kofi-Marie-Thérèse, responsable des relations publiques et administration des organes. Pendant deux jours, tous les acteurs de la filière se sont retrouvés à l'Eden Gulf Hotel d'Abidjan dans le cadre de la deuxième conférence internationale de la mangue sur le thème « Défis, opportunités, marchés et perspectives de la mangue fraîche et transformée de Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 ». Les objectifs et résultats attendus de ce conclave étaient bien clairs. Les attentes n'ont pas été déçues, les échanges des experts nationaux et internationaux ont abouti à des propositions concrètes. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, partenaire de la filière mangue, a contribué au succès de la conférence. Une forte présence marquée à travers l'animation d'un stand bien aménagé qui a permis de présenter les actions que le FIRCA a menées au profit de la filière mangue. Ses missions accomplies pour l'institution. Il faut dire que cette conférence est vraiment très 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 importante pour le FIRCA. Il faut savoir que c'est la deuxième édition de cette conférence internationale de la mangue de la Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu l'année dernière à la même période,
en novembre 2020. Et cette deuxième conférence est importante dans le sens qu'elle réunit la majorité des acteurs de la filière mangue, tant en Côte d'Ivoire que ceux de la sous-région. Parce qu'on a eu des délégations qui sont venues du Burkina, du Mali, et même certains conférenciers venus de la France. Nous avons eu des présentations qui nous ont édifiés, notamment la présentation sur le marché européen. Sachez que la Côte d'Ivoire exporte sa production sur le marché européen. Le FIIC a dans un premier temps élaboré un plan de développement de la filière mangue cette année. Et ce plan va s'étendre de 2022 à 2026. Donc c'est une stratégie qui doit être nationale, qui sera spécialement dédiée à la mangue. Par ailleurs, le FIRCA est également à l'œuvre dans la filière SAFU. Les experts de l'institution conduisent les actions de promotion de cette nouvelle filière. La présence remarquée des producteurs, transformateurs et commerçants de SAFU à la deuxième conférence internationale de la mangue en est une preuve. En tout cas, pour les acteurs de la filière mangue de Côte d'Ivoire, le FIRCA est bien à sa place. De quoi espérer de beaux jours pour cette filière née en décembre 2018. Nul doute que sa production actuelle, qui oscille entre 150 000 et 180 000 tonnes, va s'accroître davantage. Et voilà, Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.